pour dire pas accepter Jovenel Moïse continuer de sous pouvoir pour la diriger alors que la Cour des comptes lui confirmait que Jovenel Moïse son droit de l'homme, son volet, ce droit est garanti par la Constitution. Aucun policier n'a pas le droit pour attenter, pour attaquer, pour mettre en question le droit ça. Et la demande des populations qui sont là, à partir de jeudi, commencez à prendre photo policier qui a fait répression. Commencez à filmer policier qui a fait répression. Parce que nous allons attaquer au devant du tribunal. Le policier, c'est un citoyen. S'il commet une action qui est contraire à la loi, contraire à la loi, n'a attaqué par devant la justice, par devant le tribunal. Mais nous allons plus loin. Monsieur Gédéon, les membres du commandement de la police nationale d'Haïti, ils ont responsabilité. Et nous demandons le plus vite possible pour prendre disposition pour faire sanctionner les policiers qui ont utilisé la force de manière disproportionnée, de manière abusive. Et si, Michel-Ange, si les gens qui n'ont au commandement de la police là, pas prendre responsabilité pour faire sanctionner les gens, qui ont même tout n'a traduit la justice à toutes les fins utiles de droit. Dans le cas de la manifestation pendant toute semaine, nous avons un pile blessé. Jeudi, à Cour du Nord, il y a une manifestation, l'armée Kosovo, son l'armée Jovenel Moïse, formée, et l'armée ça a attaqué des citoyens dans Cour du Nord qui ont manifesté. Nous déjà un bilan qui dit nous avons environ 4 blessés seulement dans Cour du Nord. Cela est inacceptable. Jeudi, nous avons un bilan extrêmement lourd. Nous avons plus passé 250 blessés sur le dimanche qui passe le jeudi. Nous avons une centaine d'arrestations et nous avons presque gagné pratique. D'après ça, nous avons répertorié, nous avons 10 personnes qui mourent à travers toute la République. Cela est inacceptable. Et si ce sont répressions à faire pour faire la population faire battre, pour caponner la population, cela ne passera pas parce que la détermination du peuple haïtien est plus forte que la répression qu'il a utilisée pour casser le mouvement. Nous voulons présenter ce bâtiment, solidarité, à des journalistes qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, pendant la couvrir manifestation, il y a des gens qui sont blessés avec balles. Il y a des policiers tirés balles sur eux à bout portant. Cela s'est passé aujourd'hui à Port-au-Prince. Cela est inacceptable. Ou pas capable aujourd'hui en 2019, ou à attaquer les journalistes, ou à attaquer les citoyens qui ont manifesté pacifiquement. On le fait encore, le secteur démocratique. Et tous les avocats qui pratiquement impliqués dans la bataille, ça, nous allons prendre des responsabilités professionnelles. Les policiers fautifs, on va les attaquer en justice. Les membres du haut commandement de la police nationale d'Haïti seront eux aussi attaqués par devant la justice pour avoir failli à leur mission d'assumer leurs responsabilités. Maintenant, je dis à une fois encore, nous voulons rappeler les principaux objectifs de notre combat. Le premier objectif, c'est clair, la démission de Jovenel Moïse n'est pas négociable. Le rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, institution morale, institution indépendante, institution de contrôle, lui confirmer que Jovenel Moïse participait dans le volet de je dis à honneur de la morale républicaine. Même Jean-Jovenel Moïse, te fait Wilson Lalo avec Yves Germain Joseph démissionner parce que non, il était cité dans le premier rapport Cour des comptes. Hein? Je dis à honneur de la morale, la Cour des comptes cite Jean-Jovenel Moïse dans le deuxième rapport sortia, Jovenel Moïse est tenu de donner sa démission. Et à chaque fois que la insiste va faire une démission, la plonge le pays dans une situation de chaos. Et nous voulons nous adresser à la communauté internationale pour lui dire qu'il n'est pas capable de continuer à supporter mon chef d'État qui est corrompu. Je dis à la lutte contre la corruption, son lutte mondiale. Si c'était aux États-Unis, des bonnes institutions d'État qui te confirment, comment il s'appelle, Donald Trump, ou encore Jovenel Moïse, le président de l'Ottawa, la corruption, tu t'as fait démissionner. Si c'est en France, tu t'as démissionné. Au Canada, tu t'as démissionné. Pour qui ça va démissionner en Haïti? Nous demandons à la communauté internationale de se ranger du côté de la population. Pour qu'on comprenne que coopération, ce n'est pas avec Jovenel Moïse, coopération doit aller dans l'intérêt peuple haïtien.
Je demande qu'un groupe, je demande l'ambassade américaine, l'ambassade de France, l'ambassade Canada, pour suspendre, supporter Jovenel Moïse, et pour comprendre détermination du peuple là, pour renverser Jovenel Moïse là, son détermination sans pareil. Même Jean nous-mêmes, nous prêts pour continuer à coopérer avec eux en tant que membre fondateur de la communauté internationale. Mais Jovenel Moïse, c'est fini. Personne ne peut capable de faire arrêter parce que le peuple a tranché, le peuple a rejeté Jovenel Moïse comme chef d'État. Deuxième objectif là, clair, c'est la lutte contre la corruption. Nous avons besoin de transition qui pour faire procès Petro-Caribé. Oui, c'est la revendication du peuple haïtien aujourd'hui. Nous pas à l'école, nous pas à l'hôpital. Nous ne pouvons pas ramasser patra dans le pays. Nous ne pouvons pas de l'eau pour nous boire. Nous ne pouvons pas de caille pour nous dormir. Nous ne pouvons pas payer les policiers. Les professeurs ne peuvent pas toucher. L'État n'a pas de corps pour porter service à la population. Paysans abandonnés sans aucun support de l'État. Nous ne pouvons pas accepter pour ces pétroles qui arrivent par faire. Il faut nous faire procès ça pour finir avec la corruption. Le troisième objectif là, et c'est le plus fondamental pour nous. Parce que ça qui est important pour nous, ce n'est pas qui est-ce qui prend le président, qui est-ce qui prend le ministre, qui est-ce qui prend le chef. C'est le système ça qui est sous exclusion pour nous casser. Il faut nous craser le système ça. Système ça qui peut être misère dans le quartier populaire. Système ça qui mettait jeunes de côté, qui mettait femmes de côté. Système ça qui va dans le système commercial. Côté aujourd'hui, à jeunes garçons, jeunes femmes, mon emplacement n'a pas accès à crédit, c'est une crasé. Et c'est ça qui fait notre le pays à la conférence nationale haïtienne. On a chita ensemble pour nous craser le système. Encore une fois, mobilisation a continué. Demain lundi, mardi, mercredi, pays a été mobilisé. Et Jovenel Moïse n'a pas d'autre choix. Il doit présenter le plus vite possible sa démission. Aucune armée ne peut résister à la force d'une idée dont l'heure est venue. Le peuple veut cette démission. Le peuple aura la démission de Jovenel Moïse. Pas de monde qui a fait ma démission. Le débat est terminé. Vous n'y avez pas attendu, sénateur bien-aimé. Na profiter, saluer les amis la pression, saluer tous les Parisiens. Pour courage et détermination, parce qu'elle prend responsabilité pour la bataille contre la corruption, spécialement contre l'inculpé Jovenel Moïse. Je félicite les Haïtiens, spécialement la population dans le département nord-est, qui aujourd'hui a rejoint tous les Haïtiens pour manifester, pour dire que mon nord-est honte que Jovenel Moïse est un petit nord-est. Mon nord-est honte parce que Jovenel Moïse n'a pas respecté ni nord-est ni tout le pays. Aujourd'hui, mon nord-est a coûté en direct. Je connais que Jovenel Moïse gagne en dehors de l'agent Petro-Caribé, gagne un paquet de projets que vous réalisez dans l'Ordès. Jovenel Moïse, mettant ensemble avec Michel Martelly, il a crassé tout comme ça. Quoi. Et pas prendre tout seulement. Tu as gagné le projet de la route reliant Route du Nord, Roche Plate avec bas des perches. 39,9 avant de 39,9 millions de gouttes. Jovenel Moïse prend comme ça, il n'a pas fait du tout. Attaque de la via du massacre pour arroser Tamari Baron en férié, Jovenel Moïse, pour comme là, il n'y a pas réalisé rien. Et, route caracol, sorti dans le parc industriel caracol là, tout le monde qui lit une nouvelle édition, il y a eu la vie demandé pour Jovenel Moïse, pour l'État ici rembourser, comme route ça. Parce que Jovenel Moïse était gaboté comme là. Moi, trois lois seulement comme exemple. Tout peuple nord-est là, je dis, a dit, faut Jovenel Moïse parti. Non seulement parce que non, il cité plus de 69 fois. Non, rapport, coup de compte, fait sous affaire au Caribé. Mais moi, quel projet que gaboté avec fonds qui ont été publics là, ça a financé. Pour me féliciter, mon terrier rouge, pour me féliciter, mon fort liberté, des semaines passées que les gars, et je vais vivre natal, et je vais vivre nord, mais je vais vivre à supporter à son sort, de paix là, en pile cousin, en pile cousin, en pile voisin.
sortir dans la rue pour dire à bas Jovenel Moïse, faut Jovenel Moïse aller dans la pénitentiaire nationale. Jovenel qui n'a pas supporté à ce ça, l'armée Kosovo. Dans trois mouns, même gens qui ont fait intimidation dans nos pays, ils ont fait pression sur les mouns, tant que Fritz Jean, ils ont accusé, c'est lui-même qui a financé, tant que Guy Delesne, tant que Jean-Galie Denis, tant que Jean-Baptiste Bien-Aimé. Dans notre pays, il y a l'armée Kosovo qui a servi ensemble avec lui, que c'est Wani, le sénateur actuel, qui s'est commandé l'armée Kosovo. Je dis qu'il y a plus de 4 personnes qui sont victimes par balle de l'armée Kosovo que je venais laguer dans des grands mondes du Nord. Je voyais ces parties ma solidarité avec tous les militants dans le Nord-Est qui sont victimes de Jovenel Moïse. Même Jean, maintenant Michel Sodil là, nous demandons pour nous filmer. Pour nous filmer, pour nous filmer, les patries d'avocats de l'opposition. Pour nous porter même gens, citoyens courageux dans notre Nord-Est, porter plainte contre Jovenel Moïse dans le tribunal de première instance de Fort Liberté. Nous disons, peuple, là où elle fait noir, c'est jour par jour. Jovenel Moïse, pas de rien qui manquait encore pour l'aller, c'est seulement quelques monde international là. Jovenel Moïse, c'est un colis qui tombait. Et puis il croit qu'il n'y a pas de bois dans l'ambassade américaine. Je dis, on continue à faire pression sur quoi vous? On continue à faire pression tout partout pour nous exiger la communauté internationale là pour lâcher Jovenel Moïse parce que nous ne pouvons pas supporter, nous sommes encore face à la situation qui a développé dans le pays. Encore, nous disons, tout le peuple ici, continuez à mobiliser, mon Nord-Est, continuez à mobiliser, mon Nord, félicitations pour nous. Depuis 8 jours qu'il est dans la rue, malgré les pressions qu'il a prises, nous pas céder, nous pas faire mal et nous pas faire mal. Merci. On a ces députés, En même temps, m'a présenté sympathie à la presse qui récemment frappé et l'a frappé le journaliste 12 de son communiqué, victime après le film réalisé une émission pour qu'elle a parlé de dossier pétrocarburé. Et présence nous, députés de l'opposition, c'est l'affaire de l'opposition sous table à l'IDIA. Lui traduit une lutte nous a mené depuis le Jovenel Moïse, inculpé de son état, prêté serment, c'est bien dans le Parlement, nous était absent. Et bien, je dis à nous, deux ans et demi, Jovenel Moïse menait le peuple là au bord de la catastrophe. Côté nous joindre, eh bien, gang occupé pays. Hein? Nous joindre. Corruption et bien gangrené toute l'institution. Nous jouons côté Jovenel Moïse perdu contre le territoire et pays a livré à lui-même, pays a pas dirigé. Je ne veux dire, nous là, c'est parce que je dis, c'est que la démocratie là n'a pas d'alternative. Et nous étions là, hier, nous étions là, ensemble avec plusieurs partis politiques, côté de débattre maintenant alternative secteur A. Proposer à la nation, à savoir, pour remplacer Jovenel Moïse sous pouvoir. Bataille n'a mené en bataille contre Jovenel Moïse seulement, son bataille contre un système politique qui chita sous exclusion, qui engendre la pauvreté, qui bat nous aujourd'hui à un pays voté haïtien par arrive là-dedans. Donc nous gagnons une alternative qui est claire. Contrairement à ça, on a dit que nous n'avons pas d'alternative, eh bien, nous-mêmes nous disons qu'il faut que Jovenel démissionne parce qu'il n'est pas géré dans le pays. D'ailleurs, Parlement dysfonctionnel, et nous, qu'on y a une aujourd'hui, c'est tout le monde net haïtien embrassé la bataille qu'a fait contre le dossier pétrocarburé.
et 82 milliards de dollars qui étaient là pour faire développement dans le pays. Nous voyons comment le régime PHTK a dilapidé comme ça. Et c'est ça que nous disons, le peuple haïtien lui-même, il ramasse la bataille ça. Eh bien, il fait dossier sa cheval de bataille pour dire non à un système corrompu ça, pour dire non à un régime PHTK ça. Eh bien, pour le peuple capable de retrouver, nous avons dit, eh bien, grandeur de gain dans le temps. Eh bien, nous disons, les jours de M. Jovenel Moïse sont comptés. Eh bien, merci, Marjorie. Ce n'est pas question de jour encore, c'est heure qui a compté pour Jovenel Moïse quitter le pouvoir. Eh bien, nous-mêmes, nous avons encore une fois sollicité courage des Haïtiens pour nous dire rester mobilisés dans la vie. Nous avons dit ça qui a passé au cas. Nous avons dit ça qui a passé au CAI. Nous avons dit ça qui a passé jeudi en dans la capitale, là, dans Port-au-Prince. Donc, tout le peuple haïtien du Nord, tout le peuple haïtien mobilisé autour des anciennes bagailles, autour des dossiers pédocaribéens, et nous-mêmes nous disons très clairement. Tant que Jovenel Moïse était là en Amérique, nous ne connaissons pas la vérité sur la question. Ça. Et m'a dit avec des gens qui disent que c'est conseiller Jovenel Moïse, dans son Charles Faustin, Cap Marché dit, eh bien, rapport pour des contrats capacité, pas de moralité pour capable produire un tel rapport. Et nous-mêmes avons dit, eh bien, Charles Faustin, eh bien, Almet Souli toujours. Pour le capable de bailler Jovenel Moïse, bon conseil. La Cour, c'est un tribunal administratif qui fait ce type de rapport et rapporte à son rapport d'information qui est accablant par rapport avec des faits de détournement de fonds et Jovenel Moïse est indexé là-dedans jusqu'au bout. Donc, encore une fois, nous-mêmes nous disons très clairement et nous continuons de recevoir des partis politiques de toutes tendances. Dans ton père Jodia, des personnalités qui sont connues pour moralité dans la société, pour nous capables de partager avec eux, pour le plus tôt possible, pour nous définir une alternative qui a fait unanimité au sein de la nation haïtienne et pour nous dire non aux Américains jusqu'à date qui quimbait Jovenel Moïse en notre pays toujours. Et nous, il y a un pile secteur dans la vie nationale qui l'arrive. Nous dans des positions forum économique, nous dans des positions l'église, nous dans des positions toutes couches dans la société. Donc Jovenel Moïse, c'est un président pour nous conjuguer au passé. Donc, je vais vous dire, pas un président dans le pays, pas un premier ministre, pas un ministre dans le pays. Donc, la nation est liée à elle-même. Donc, nous avons encouragé tout le monde, quelle que soit la tendance politique. Redémobiliser dans la rue jusqu'à ce que, eh bien, vous ne pouvez pas trop loin. Et je dis à dimanche, et je ne peux pas dimanche après nous, dans ce sanier-là, avec un président qui est incompétent, qui est incapable, qui usurpe titre, il dit que c'est ingénieur. Pourtant, tout le monde connaît, il n'a pas gagné qualificatif pour le traiter d'être ingénieur. Donc, je vous dis à. Ces bagailles qui mettent le pays d'Haïti n'ont niveau de pas de jambes là. Donc comment pour vous comprenez ça comme ça? Pour l'appel, tout le monde est dans le pays. Et puis, nous-mêmes, nous avons gardé l'autre pays qui est beaucoup de nous dans ce domaine qui avancé. Donc, nous demandons une fois encore au peuple à rester dans la rue, mobiliser jusqu'à ce que nous éradiquions mal ça dans le palais national là. Jovenel Moïse. Merci. Maintenant, c'est au tour du docteur Schiller Guidon. Non. Voilà, mon mec. C'est spécial. On ne peut pas voir bien. Mal tout espace là. Mal tout. Moi, je trouve ça fait. Mais pour ouvrir quoi? Ordinairement, comme vient de le faire mon ami frère et le député Joseph Manès, je voudrais quand même avoir une pensée très spéciale pour tous les journalistes qui victimes dans la manifestation qu'a faite là. Par exemple, Pétion qui mourit, nous vraiment avons une pensée très spéciale pour lui. Tout comme pendant qu'on a parlé là, un journaliste qui aurait les Rénal petit frère qui a souffri et qui est dans l'hôpital Baptiste Kibolier. Parce que Bandi a attaqué le blessé, on a continué à prier pour notre frère, notre ami, Rénal Petit Frère.
Moi, je vais commencer à poser quelques questions, à savoir, est-ce que pas de l'argent pétro-caribé, il y a volé? Je vais connaître qui monde qui répond ça. Je vais connaître, est-ce que pas de deux rapports de deux commissions sénatoriales différentes, une commission qui a été dirigée par l'honorable sénateur Yuri Latortu, une autre par les sénateurs Beauplan, Ricard, Kato et Nenel, est-ce que ça va exister? Dans mes connaît, est-ce qu'il paye 95 gouttes qu'on y a pour un dollar? Est-ce que c'est menti? Est-ce que paye la vie chère dans le pays à qu'on y a? Dans mes connaît, est-ce que Martine Moïse pas impliqué dans les affaires des malheurs vrais? Dans mes connaît et pose question, est-ce que Martine Moïse paye 150 000 dollars américains la prend dans l'immigration chaque mois? Alors nous pouvons comprendre, pas de monde qui répond, mais ce n'est pas vrai. Si pas de monde qui répond, ce n'est pas vrai, nous parlons, nous prenons nos associations volées et nous carrément nos associations je cherche avec je cherche. Président je cherche, madame je cherche, volée, volaise. Mais qui association qui a dirigé le pays? Alors pour association volée, volaise, je cherche avec je cherche, est-ce que le peuple a gardé l'association ça? Qu'a fini à payer. Non. Comme vient de le dire mon frère André, c'est fini pour cette association je cherche à je cherche. C'est fini pour cette association volée-volaise. Et le peuple a pris la rue pour mettre fin à question ça. Et c'est pour ça, pendant que nous avons battu bravo pour le peuple qui est dans la rue, nous avons dénoncé une autre association de malfaiteurs qui vient en tête lui, Ronnie Deroche. Qui a marché, fait propagande, relais sénateur, dit la météo, et faut ouvrir le premier ministre, faut ouvrir ceci, parce que M. Boukop n'a même, et M. même promet pour la rencontrer à Dany Laferrière, pour demander Dany, faire déclaration, pour voir comment la sauver Jovenel. Parce que nous connaissons, association malfaiteur, ça a une idée, je t'en tête lien, alors que nous avons pour Evans Paul, etc., qui font association ça, nous disons, coup ça, pas passé. C'est ça que fait. Nous-mêmes, nous décidons, nous clair, accompagner le peuple haïtien dans toute bataille à faire, parce que nous pas quoi, à partir de Assoir demain, Jovenel Moïse, pas doué dans le pays. Et si Assoir, Jovenel Moïse, pas de démission, n'a pas de consignes que voici. N'a pas de démission pour arrêter. N'a pas demandé au peuple acheter de l'eau, mettre la caille. Cherchez manger dans la caille. Cherchez tout pareil que le cas besoin. Bois, pain, diesel, parce que le pays a fermé net à partir de demain matin. Et pour répéter mon frère et ami, l'honorable député Printemps Bélisaire, depuis ce soir, n'a fermé le député. Nous disons demain, opération passe cadenas dans tout bureau public. Opération passe cadenas. N'a pas parlé à employés de la fonction publique. Nous, du secteur démocratique, tout le monde connaît, nous pas de violence. Nous pas pour violence. Nous sommes pour la paix. Nous ne voulons pas de chaos. Nous ne voulons pas de guerre civile. D'ailleurs, nous, dans le secteur démocratique, nous toujours dit, payons par des côtés pour faire l'encraser. Nous pouvons fermer l'administration publique là en douceur. D'ailleurs, ça n'a pas été au bout effort pour passer au cadre là, c'est clair. Nous allons passer cadenas, clap. Dans tout bureau, l'État, clap. Nous demandons tout employé, fonction publique, là, coordonner, aidez-nous. Nous gagnons près de, et d'après ça, nous avons contrôlé, et il était près de 3-4 000 cadenas qui disponibles. Nous demandons si les gens de l'administration publique là, qui ont l'autre cadenas, viennent avec eux, à la chaîne que nous avons disposée. À partir de demain, c'est clap. Dans toute l'administration publique. Et nous clair que ce bagage sans violence, nous demandons, tout le monde, nous pas bravo déjà pour l'école qui comprend ça et qui m'a dit si nous avons été la caillou. Nous demandons tous les parents qui ont été la caillou. Pour qui ça? Nous, du secteur démocratique, nous aimons les enfants. Nous voulons les protéger. Et c'est un souci pour nous protéger. Même si j'aurais un petit frère pour un bal, nous ne pouvons pas aimer assassiner, tirer sur Timounio. Nous ne pouvons pas aimer vagabond assassiner petit mounio. Et cet amour débordant que nous avons pour les enfants nous exige à dire aux parents
de garder chez eux leurs enfants pour assassins, pour criminels, pas assassiner Fimounio. Nous clairs, pas de jouer dans ça, dans la dernière bataille pour la fête là. Nous clairs que, à partir de ce soir, nous pas de jouer, nous pas reconnaître. Alors, quel monde qui est le Jovenel Moïse, nous ne pas reconnaître le gouvernement ça. J'aime dire qu'on fait, nous ne pas gagner, n'a pas accepté tant de qui gagne Jovenel Moïse là-dedans. Nous voulons lancer un appel au secteur privé pour nous dire bravo dans l'aide que le dévoyé. Et ouais, comment le peuple a compris ça? Le peuple a tellement compris ça, il demande pour protéger tout bagaille qui gagne, business, toute activité, tout le monde. Parce que le peuple a parlé en y écrasé. Malgré nos infiltrations que tu fais pour t'écraser machine, pour te mettre sous le peuple là. Mais tout le monde comprend ça. Mais nous dit, à partir de ce soir, tout ça qui vient dans le pays, c'est sous le compte de Jovenel Moïse. Et demain matin, la rue nous dit clair, pas de l'école, pas de faire travail, c'est opération fermée pour l'État. Parce que pour ça, le bureau est pour nous, même gens. Nous te fermons le Parlement, nous fermons jusqu'à présent. Parce que ce peuple-là qui a siège là, a fait député à sénateur, c'est fini. Nous fermons ça. Même Jean-Tou, nous parlons dans le bureau de l'État, nous fermons. Parce que le peuple a dit, c'est lui qui va régulariser, réguler le fonctionnement de l'administration publique là. L'œuvre pouvoir dans la transition, nous dit demain, pas de l'école. Et c'est, nous demandons tout le monde, les Petro Challengers, nous demandons tout le monde, même famille Lavalas. Petit de Saline, mon qui pro secteur démocratique, ferme porte administration publique là, passe cadenas et pour nous dire Jovenel Moïse, nous finis avec, nous ferme administration, Parlement campé, toute institution campé, nous n'attendons un seul bagaille, démission Jovenel Moïse, à soir ou bien demain matin. Grenadier à l'assaut, ça qui mourit, n'a vengé. Grenadier à l'assaut, ça qui mourit, n'a vengé. Merci.